Hey, salut à toi, c'est Max le magicien. Alors bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir si toi aussi tu es réceptif à l'hypnose. Alors pour ce faire, je te propose de visionner auparavant la précédente vidéo dans laquelle je t'explique tous les principes de base de l'hypnose, comment ça fonctionne, sur qui, pourquoi et comment. Et ensuite, tu peux enchaîner avec cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te faire réaliser un test. Ce test, c'est un test de base pour l'hypnose dans lequel on peut voir si un sujet, si une personne, elle est volontaire à tester l'hypnose, à vivre l'expérience, à se laisser aller, être volontaire, etc. Comme je t'explique dans la vidéo précédente. Alors si tu es prêt, je te propose de te mettre dans une pièce calme, où il n'y a pas de bruit, où tu peux te concentrer facilement. Et si tu as le choix et l'opportunité, tu peux aussi mettre les écouteurs dans les oreilles pour que tu puisses bien m'entendre et réaliser ce que je te propose. Alors pour ce faire, tu vas mettre tes mains dans cette position ici. Tu vas les fermer dans cette position le plus fort possible. Il faut vraiment que les deux paumes de main se touchent et que les deux mains soient collées, soudées l'une contre l'autre. Ok? Ensuite, il ne faut pas que tes coudes et tes avant-bras ils touchent la table ou les genoux. Il faut vraiment que tu sois ici comme ça, voilà, en face de toi. À partir de maintenant, tu vas mettre tes index dans cette position et tu vas fixer uniquement tes doigts et écouter bien ma voix et le son de ma voix. Tu te concentres bien sur ma voix et le son de ma voix et uniquement sur tes index ici. Tu vas écarter tes index dans cette position. Et à partir de maintenant, tu fixes uniquement l'espace et tes index. L'espace qui est entre tes doigts et tes deux index et ma voix et le son de ma voix. C'est parti. À partir de maintenant, je le sais, je le vois, je le sens, tes deux index commencent à se rapprocher, se coller, se souder l'un contre l'autre. T'as rien besoin de faire, tu te laisses complètement aller et tes doigts ils se rapprochent dans cette position maintenant, de plus en plus, de mieux en mieux. Et à chaque claquement de doigts, ça s'accentue de plus en plus. Tu vas imaginer maintenant qu'il y a deux aimants entre tes deux doigts et les deux aimants, c'est les aimants les plus puissants du monde qui se rapprochent dans cette position de plus en plus, de mieux en mieux, et à chaque claquement de doigts, ça s'accentue de plus en plus. Avec le 1, tes index se rapprochent dans cette position maintenant. Avec le 2, ils commencent à se coller, se toucher, se souder maintenant de plus en plus l'un contre l'autre. Je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, tu ne pourras plus du tout décoller tes deux doigts, ils seront complètement collés, soudés l'un contre l'autre. Avec le 1, tes doigts se collent dans cette position maintenant. De plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, comme s'il y avait de la colle, de la super glue entre tes deux doigts et la colle commence à sécher maintenant dans cette position. De plus en plus, la colle elle sèche maintenant dans cette position. Comme s'il y avait de la colle, de la super glue et la colle elle sèche dans cette position. Je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, tu ne pourras plus du tout décoller tes deux doigts, ils seront complètement collés l'un contre l'autre. Avec le 1, tes doigts se collent dans cette position. Avec le 2, complètement collé, complètement soudé dans cette position. Et avec le 3, c'est strictement impossible pour toi de décoller tes doigts. Force, 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 plus t'essayes, moins t'y arrives, c'est strictement impossible. Force pour décoller tes doigts et plus t'essayes, moins t'y arrives, c'est strictement impossible. Tu vas seulement pouvoir les décoller au compte de 3. Avec le 1, tes doigts commencent à se décoller maintenant. Avec le 2 et avec le 3, tu peux décoller tes doigts aisément, facilement. Voilà. Alors j'aimerais préciser aussi que ce test ne fonctionne pas sur 100% de la population. Donc si ça n'a pas marché, c'est inutile de le dire en commentaire, ça n'a pas marché, etc. Si tu veux que ça fonctionne, n'hésite pas à refaire le test de plus en plus, de réessayer plusieurs fois. Il faut vraiment que tu arrives à te laisser aller, à te détendre et à être volontaire. Pour toutes les personnes, ça a marché. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je lirai tous les commentaires. Si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre tous les épisodes. Tu vas voir, la suite va être vraiment incroyable. Alors je te dis à la prochaine et je te dis à 1, 2, 3, je dors maintenant.